Pachou. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que elle me connaît même, hein? Parce que dans ce pays, on parle trop. Tu me vends des faux produits. Que dans maximum un mois, je vais avoir de grosses fesses. J'ai la forme de Nicki Minaj. C'est-à-dire? Voilà, moi, aujourd'hui, rien. Elle m'a dit que j'allais devenir clair. J'allais clair, que j'allais devenir comme une ampoule. Jésus. Ah, ah, ah. Je vais rire dans l'eau. Voilà, fesses, ils sont des garçons. Jusqu'à quand, Seigneur? Eh, hey, hey, c'est toi. Jésus, Fontaine, Jesus is love. Vous rappelez de moi? Vous m'avez vendu des produits, vous avez dit que mes fesses allaient grossir et que j'allais devenir clair. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas vu de changement. Pas normal. Moi, je veux que tu me rembourses mon argent. Non, moi, mes produits sont meilleurs. Sûrement que vous n'avez pas bien utilisé. Il n'y a pas de remboursement chez moi. Moi, je veux mon argent tout de suite. Moi, je ne veux pas parler avec vous, hein. Mon argent. Non. Je suis désolée. Vous mentez, vous allez me donner mon argent. Il n'y a pas de remboursement. Madame, remboursez-moi mon argent. Hey, je ne veux pas de remboursement. C'est quoi? Madame, rembourse mon argent. Regardez ce qui va se passer ici. C'est ma chambre. Tu n'as pas bien. Qu'est-ce qui se passe pour vous faire la bagarre? C'est pas cette dame voleuse, menteuse comme ça qui m'a vendu des faux produits. Elle m'a dit que j'allais avoir de grosses fesses et que j'allais devenir claire. Jusqu'à présent, rien. Mes fesses sont toujours intactes. Venez, venez. Je peux voir, je peux vérifier, je peux toucher, voir. Mais monsieur! Désolé. Tu as raison, tu as raison. Et puis elle ne sait pas tout. Elle m'a dit même que j'allais devenir très clair. Que mes fesses allaient devenir ploco-ploco. Au contraire, je suis devenue noire. Mes fesses sont devenues très noires. Wow. Maman Nangai. Ah bon? Je peux voir. Musique. Va. Non, désolé, je voulais voir son nom, quoi, et puis voilà. Non, mais madame, c'est pas bien ce que vous faites. Elle a raison. J'ai touché, les fesses sont pas ploco-ploco. C'est du André Béton. Savez-vous que vendre les faux produits peut vous faire faire la prison? La prison? C'est vrai. Moi, je ne veux pas faire la prison. Tu l'as fait. Tu veux pas faire la prison? Non, non. Hein? Tu as fait ta formation là où? En réalité, je n'ai pas fait de formation. Alors, j'ai juste suivi des tutos sur TikTok et YouTube pour fabriquer mes produits. C'est sûrement ça qui m'a induit en erreur. Ah, c'est là le problème. Je savais. Je savais. Aujourd'hui, toutes les filles au Burkina ici, à Ouaga ici, sont devenues des vendeuses de produits cosmétiques sans même faire de formation. Oulé. Vous partez regarder des tutos. Alors que ceux qui font des tutos là, c'est juste pour avoir des vues. Oulé. C'est même pas des formateurs, c'est des gens même qui connaissent rien. Oulé. Faites de bonnes formations, sinon vous pouvez tuer la population. Et tu vas faire la prison à cause de ça. Oulé. Mais pourquoi vous êtes bandés comme ça? Yeah! 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 Tu vois, mais là, ils sont nous. C'est l'émotion. Souvent ça m'arrive, quoi. Hé, madame, toi, faut me rembourser mon argent. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de remboursement. Faut me rembourser mon argent. Tu veux me rembourser mon argent.